c'est vous qui me devrez de l'argent. Tiens, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? 2 secondes, mon ami. Carvedras. Non, il faut que j'attende la marée basse parce que là, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a du grabuge à l'intérieur. Ouais. Ah, j'ai super mal au moteur. Tu me dois environ 15 000 euros sur le double de la somme que tu me devais au départ. Ça se passe mal pour Manu. Je te laisse 2 jours pour me rembourser ce que tu me dois. Si tu es dans l'incapacité de le faire, tu seras obligé de retravailler pour moi. Et si tu refuses, les maisons trouveront les arguments pour t'en convaincre. Quelque chose me dit que les ennuis vont commencer. Ah, tu es là, toi? Ouais, je lis un article sur les légumes bio. Tout un programme. Dis-moi, tu peux me dire comment je suis arrivé sur ce canapé, là? Ton ami t'a amené avant-hier, tu étais complètement bourré. Bourré? Et comment ça, avant-hier? On n'est pas dimanche, aujourd'hui? Non, on est lundi. Attends, tu veux dire que j'ai dormi toute la journée d'hier? Ouais. J'ai pas le souvenir de m'être pris une cuite. En plus, j'ai la sensation désagréable d'avoir eu quelque chose d'important à faire hier. J'aimerais vous inviter à dîner. Ouais, pourquoi pas. Et puis je pense qu'on ira manger en bas de la rue, là, ils sont ouverts le dimanche. Nom d'une pute de merde, t'enculé. Ah tiens, pendant que j'y pense, il y a la voisine qui est passée hier, elle était furax. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ben rien, elle est venue, mais vu que tu dormais, elle t'a foutu une claque et elle t'a jeté de la bière. Ma bière. Ouais, je me disais aussi, ça sentait bizarre. Bon, ben faut que j'aille la voir pour lui expliquer ce qui s'est passé. Tu peux aller voir Quentin, s'il te plaît? Ah, ça y est, vous êtes réveillé, vous. Ah, Chloé, justement, je voulais vous voir par rapport à samedi. Enfin, par rapport à hier, je suis vraiment désolé, il m'est arrivé un pépin, il faut me croire, c'est pas de ma faute. J'hallucine quoi. Depuis le temps que vous me collez aux fesses comme une mouche à caca, tout ça pour qu'on passe une soirée ensemble, là, j'accepte enfin, et vous, vous me posez un lapin. Non mais, laissez-moi vous expliquer, c'est à cause de là où je suis allé samedi, je suis allé voir des gars, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû prendre un produit illicite. Je m'en bats les rognons, je veux plus entendre parler de vous. Dorénavant, quand vous passerez devant ma porte, ne vous arrêtez plus. Ne trouvez plus de prétexte à la gomme pour m'emprunter du sucre ou des cacahuètes. C'est bon. Et si vous voulez, je suis célibataire. Toi, va sucer ton chien. Je crois que je vais attendre un tout petit peu avant de la revoir. Hein. Oh putain Manu, tout ça c'est ta faute. Je te jure qu'il a passé un sale quart d'heure. Mais je pense que tu devrais mettre un pantalon. Ouais. Taisez-vous Benoît, je veux plus entendre vos excuses, je vous avais prévenu. Je vous retire l'enquête, Erwan reprendra l'affaire. Vous m'avez appelé? Et prenez des vacances, ça vous fera du bien, allez faire du pédalo. C'est plus votre problème, je veux plus entendre parler de vous pendant au moins 2 semaines, bonnes vacances. Des problèmes, commissaire? Ah oui, j'ai toujours ces problèmes gastriques qui m'empêchent de dormir la nuit. Non, mais je veux dire au téléphone, vous étiez avec Benoît, non? J'ai cru comprendre que vous le retirez de l'enquête. Cet imbécile s'est encore fait repérer en passant à tabac des hommes de Savez la nuit dernière. Et il reste persuadé que Lucas n'est pour rien dans cette affaire. Qui ça? Eh, Lucas! Oh, vous suivez, ça fait plaisir. Vous pensez qu'il est innocent, alors? Ça m'en a tout l'air. C'est pour ça que je compte sur vous pour avoir des résultats. En toute discrétion. Avec plaisir, commissaire. Et vous verrez, je saurai me montrer digne de cette mission. Ouais, c'est bon, pas la peine de faire de la lèche. Mais excusez-moi. D'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé l'autre soir, vous ne pensez pas que les hommes de main de Savez vont savoir que Lucas est suivi par nos services? Eh ben, espérons qu'ils fassent pas le rapprochement. Sinon, il va y avoir de la casse. Bon. Elle est où, cette pommade spéciale fessier que je cherche depuis tout à l'heure? Ah mais oui, je voulais emprunter. Ah non. Monsieur Fourré, vous êtes en retard. Oui, je confirme, vous êtes en retard. Non madame, il est 8h29. J'ai 8h30. Et attendez. Hop, 8h31.
La raison pour son pas perdre de temps, elle évite de mettre au boulot, hein. Vous pourriez faire un effort vestimentaire, je sais pas, moi. Mettre une cravate. Ah, j'y penserai. Mesdames ? Moi, c'est mademoiselle. Ah, je m'en serais douté. Tu es en retard, Lucas. Il est 8h35. 8h35 déjà ? Putain, c'est un couloir ici. Vous savez, c'est pas avec ce genre de comportement que vous donnez une bonne image. Je vais réfléchir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Prendre ma place ? Ou la mienne ? Oula, 9h30, c'est fou ce que le temps passe vite, hein. Faudrait vous dire. Donc, avec le système de prélèvement automatique, vous n'aurez aucun problème en cas de sinistre. Oui, ça m'a l'air vraiment intéressant. Mais par contre, je me demande si la clause qui concerne une attaque de météorite est bien appropriée. Vous savez, Madame Dufour, la vie est imprévisible. Elle nous réserve toujours des surprises à des moments où on ne s'y attend pas. Alors, on n'est jamais trop prudent, vous ne croyez pas ? Bah te voilà, enfoiré ! Hé, Lucas, je suis avec une cliente là, tu ne vois pas ? Bah elle s'en bat les couilles, Lucas. Faut qu'on parle tous les deux. S'il te plaît, Lucas, si tu veux bien me laisser terminer avec Madame Dufour, on parlera de ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je ne vous connais pas, mais moi j'étais là avant vous. Alors s'il vous plaît, vous allez attendre dehors. Ta gueule. Oh, c'est un scandale. Ne vous inquiétez pas, Madame Dufour, je gère la situation. C'était qui ce gars où est allé samedi, hein ? Pourquoi j'ai comme des manques de mémoire ? J'ai l'impression que j'ai été drogué. Et en plus, j'ai raté un dîner avec Chloé. Chloé, la fille du footing. Oui. Bonjour, nous avons rendez-vous avec Manu. Manu comment ? Je sais pas, il y en a combien des Manu ici ? Un seul ? Ben, c'est lui. C'est qui ce type, bordel ? Pourquoi tu m'as amené là-bas ? T'inquiète pas, je te l'ai dit, ce sont des amis. Il n'y a aucun problème avec eux. Oh, quelle bonne surprise. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Du calme, les gars. Ok, je devais payer ça aujourd'hui, là, mais j'ai eu un léger contretemps, mais rien de méchant. Demain, j'aurai l'argent. Promis, demain, je paye sa veste, vous aurez l'argent. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ce sont des amis. Mais ferme ta gueule, putain, on n'est pas venu pour toi, mais pour lui. Moi ? Oui. L'autre soir, quand vous êtes passé nous voir, on a eu un invité surprise. Et alors, qu'est-ce que ça peut me foutre ? Nous craignons que cette mauvaise visite soit un flic. Un flic ? Vous avez des payés en retard ? T'as rien à dire, Manu ? Non, je suis juste surpris, c'est tout. Ok. J'espère que vous avez rien à voir là-dedans, parce que sinon, t'es dit. Oula, du calme, les gars, du calme. Perso, je vous connaissais pas, il y a quelques jours, et franchement, vos déboires avec la police, je m'en fous. Alors le mieux, c'est que vous m'oubliez, c'est-à-dire... Non, il était très bien, là, c'est franchement... Bon, je vais y aller, hein. J'espère que vous avez des trous de mémoire. Pour oublier ce qui vient de se passer. Sinon, Teddy va vous y aider. Oui, c'est déjà oublié. Bon, on va y aller. Mais dites-vous que si vous avez quelque chose à voir là-dedans, on risque fortement de se recroiser. Comment ça se fait qu'ils savent où tu travailles ? Non mais ne t'inquiète pas, demain je les paie et tu vas rentrer dans l'ombre. Bon, revenons à nous, Madame Dufour. Il me faudrait une petite signature en bas de ce document. La deuxième est toujours meilleure. Hein. C'est plus votre problème, je peux vous entendre parler de vous. Je te l'ai dit, ce sont des amis, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ouais. C'est un problème, il y a un gros problème. Allez, direct. Je vais me faire la lèche. Excusez-moi, mais avec ce qui s'est passé. J'ai encore un reprendre. Monsieur Fourin, vous êtes en retard. En bas les couilles. J'ai envie de vous dire, ta gueule.